Ça suffit que le fumet de poisson se diffuse dans l'atmosphère du plateau, apparition de trois chats autour d'Églantine et Meillet. C'est là, dès que ça sent le poisson, les chats arrivent. Chut, en fait, je vais vous demander de ne pas faire trop de bruit. Pardon. Parce que les chats que nous avons là, je sens qu'ils sont un petit peu effrayés quand même. Moi, je voudrais vous présenter Ina. Regardez cette chatte, elle est absolument magnifique. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ina. C'est une Maine Coon. L'Institut national de l'audiovisuel. C'est une Maine Coon originaire donc, de l'État du Maine aux États-Unis. Elle a 3 ans. Où on parle beaucoup français. Tout à fait. Alors, elle comprend très bien le français. Non, elle a 3 ans. Elle a été retrouvée abandonnée dans la forêt de Fougères. Elle est donc ici à l'adoption. C'est une chatte formidable. Alors, elle est un peu plus grande que les chats que nous connaissons d'habitude. Ouais, mais c'est un chat qui s'entend en général très bien avec tout le monde, y compris avec d'autres animaux. Ina a besoin d'une famille. Il faut s'adresser au refuge qui est à Romagne et qui est géré par l'association Les Amis des Bêtes. Elle est très, très charmante. Très câline. Là, honnêtement, vous la sentiriez contre vous. Elle ronronne, mais elle ronronne de peur. Hein. Oui, et elle tremble. Mais voyez, elle n'essaye pas du tout de s'échapper. Elle est absolument adorable. Il lui faut une famille. Et puis, regardez, Irène est en train de caresser un petit chaton. Un petit chaton qui a 4 mois à peine, Irène. C'est un chat tigré. C'est un mâle. Il s'appelle Miko. C'est une vraie peluche, Irène. Hein. Ah, c'est adorable. Mais je sais qu'Irène adore les animaux. Hein. Irène, il faut parler dans le micro pour qu'on vous entende. J'adore les chats. Les écrivains, souvent, sont mariés avec les chats, mais ce sont les chats qui les choisissent. Les chats choisissent la personne dont ils veulent être aimés. Et en général, ensuite, votre maison, votre appartement, c'est vous qui habitez chez votre chat. Tout à fait. Et Nathalie, toi, tu tiens une petite chatte qui est donc toute blanche et qui s'appelle Mademoiselle. Ces deux chatons et Ina sont à l'adoption. Ils cherchent une famille, alors je compte sur vous. Il suffit d'appeler donc le refuge de Romagne et vous allez pouvoir comme ça profiter de ces animaux de compagnie absolument adorables. Et je voudrais aussi vous donner des nouvelles. La semaine dernière, j'étais donc près de Perpignan. Il y avait le refuge de Toreil qui nous avait proposé un chien formidable lui aussi. Il s'appelait Bolek. C'était un border collie, vous le voyez, noir et blanc. Il avait été impressionnant sur le plateau, d'une gentillesse incroyable. C'est vrai que c'est un peu plus difficile à faire adopter parce que Bolek avait déjà 10 ans. Il a 10 ans. Pour l'instant, eh bien, j'ai pas réussi mon pari. Il n'a pas trouvé de famille. S'il vous plaît, si vous avez une maison, un jardin, si vous avez envie d'un animal de compagnie absolument adorable, n'hésitez pas à contacter donc le refuge de Toreil pour appeler et adopter Bolek. Voilà, merci beaucoup et pensez à ces animaux qui cherchent une famille. Et Irène Frein a adopté une grappe de chats. Ça devient compliqué, mais bon. Les chats viennent en grappe. C'est eux qui t'ont adopté, Irène.